Bon, déjà désolé pour la qualité de l'image. Donc je sais pas ce que ça a donné puisque j'avais pas prévu de filmer, donc je filme avec le téléphone. Hop. Donc test du stick bait. Hop, le voilà. Ouais, c'est bon, je vais atterrir. Alors j'espère juste qu'on le verra nager. Ouais, il fait un stick bait quoi, c'est vraiment un stick bait, je suis trop content. Hop là, viens là. Donc au niveau du poids, il est à peu près un peu en dessous de 15 grammes. J'espère qu'on voit au moins l'ondulation derrière, qu'on voit bien les S. Donc ça, c'était le stick bait. On va mettre vite le popper. Hop, bouge pas toi. Donc le popper, j'ai fait deux versions. J'ai fait une version X. Donc X pourquoi? Parce qu'en fait l'armature est pleine à l'intérieur. C'est un seul morceau de corde à piano, diamètre 120. Donc pas pour attaquer du petit poisson. Donc il est un peu plus lourd lui, du coup 30, presque 35 grammes. Donc hop, j'attends que ça se pose pour pouvoir popper. Donc je pense qu'il y a moyen que ça appelle des poissons très loin. Hop. Donc ça c'est la version X. Je vais la présenter à la caméra si elle veut bien se décrocher. Voilà, hop. Voilà, donc la version X. Et la version plus light. Hop. C'est quasiment la même trait pour trait. Voilà. Donc c'est quasiment la même. Sauf que on n'est pas en armature pleine et en fait la position dans l'eau n'est plus la même. Celui-là il est quasiment à la verticale. Hop, il va avoir un pop beaucoup plus discret, beaucoup plus sourd. Mais la différence c'est que on peut l'animer comme un stick bait. Voilà, il ondule vraiment comme un stick bait. On se laisse remettre en place et on peut popper. Donc un pop beaucoup plus discret.